Je suis ravi de soutenir le retour du Big Help Out en 2024. À peine sorti de l'hôpital, le voilà de nouveau au cœur de l'action. Ce mercredi 31 janvier, Charles III a ainsi annoncé via le compte Instagram officiel de la famille royale, que, à la suite du succès de l'édition 2023, le Big Help Out serait de retour cette année, cet été, entre le 7 et le 9 juin. Vous aurez à nouveau l'occasion de vous joindre à de nombreux bénévoles pour donner de votre temps à une cause de votre choix, qu'il s'agisse de soutenir une banque alimentaire locale, d'entretenir un jardin communautaire, de passer du temps avec une personne vulnérable ou d'enseigner une compétence à des jeunes, peut-on ainsi lire sur le réseau social. Pour rappel, à l'occasion des festivités liées au couronnement du roi Charles III, l'Angleterre avait organisé le 8 mai 2023 une édition du Big Help Out, une journée consacrée à la solidarité. Un gros succès populaire, avec plus de 1500 associations britanniques participant à cet événement et proposant des milliers de missions de volontariat à travers tout le royaume. Des millions de Britanniques, dont Kate, William et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, avaient répondu présent. Direction un camp de scouts pour le couple héritier, les Gallois s'étaient en effet rendus, en famille, auprès de scouts de Slough dans le Berkshire, à une quarantaine de minutes de leur propriété familiale sur le domaine de Windsor, pour les aider à rénover leur campement. Le prince Louis a ainsi pu profiter d'une journée unique, s'adonnant à des activités telles que le tir à l'arc, le bricolage, la peinture, un goûter à base de marshmallows grillés et même à une balade en tractopelle. Il s'agissait du premier engagement royal et public du jeune prince, alors âgé de 5 ans. On espère que cette année encore, le Big Help Out suscitera un engouement national. Il est certain que toute la petite famille participera à nouveau, même si Kate Middleton est actuellement en convalescence après sa sortie de l'hôpital le 29 janvier. Elle devrait être de retour à la vie publique début avril. Article écrit en collaboration avec Cimedia. Crédit photo, Dana Press. Just me.